pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo de Super Opening. Et aujourd'hui, on va ouvrir un petit cristal Featured. Alors, cette fois, ça va être le cristal Featured à 11K. Enfin, je le prends, ce cristal. C'est vrai que j'ai un peu galéré. On va pas se mentir, j'ai un peu galéré. Surtout que il se réinitialisait dans combien de temps, là? Dans 2 jours. Pourquoi dans 2 jours? Ah, si, lundi, c'est normal. Non, c'est moi qui bug. Donc, du coup, on va prendre ça. On va prendre tous les petits trucs. C'est vrai qu'on a pris que la moitié des trucs dans le marché d'Iso Noir, là. Donc, on va le faire. On va le faire, ça sera quand même mieux. Ça, non, faut pas que je les prenne, les alphas. Faut pas que je les prenne. Ça, j'ai pris. Ok, bah écoutez, on y va. Alors, on a énormément de cristaux de T5C dans cette vidéo. On a 2 cristaux 20% et 3 cristaux 2%. C'est possible qu'on puisse monter un R3 à la fin de cette vidéo. C'est possible. Voilà, c'est pas obligatoire du tout. Mais c'est possible. Alors, un peu de T2A et un peu de T5C. Pourquoi du tech? Pourquoi T4C? Pourquoi du tech? Pourquoi du tech? J'ai tout le temps du tech. Ça sert à rien. Je m'en fous du tech. Je m'en fous. Clairement. Ah, fait chier. Fait chier le tech. Fait chier tout le temps. Bon, du T4C, de l'ISO. Pas folichon. Hein. Pas folichon. On a 5 cristaux ici. Ok. Bam. Petite pierre. Des petites pierres, des petits boosts. Ok. Ok, ça se prend. On va ouvrir la dernière pierre. Il faut que je garde, je crois, des insignes. Parce que sinon, je pourrais pas ouvrir ma cure. On va en ouvrir 3. On va ouvrir 3 cristaux, quand même. La EET, c'est bien, on remonte. Bon, on va redescendre ce soir, mais on remonte un peu. Les 10 cristaux de pierre 6, c'est parce que j'ai terminé le chevalier. Hein. J'ai terminé le chevalier, ça fait plaisir. Ça sera ça pour torche. Et... Ah, putain, j'ai pas pour Doom, quoi. J'ai pas de mystique, c'est une blague. Putain, il y en aura pour Sentinelle aussi, mais... T'as fait chier. Pas de mystique. T'as pas de chance, quoi. Ok, là, on a des SCH. Ok. On va ouvrir, du coup, les cristaux d'arène. On va en ouvrir 3. Je vais garder quand même un peu d'insigne. Ah, putain, je chope plus d'unité. J'ai eu une petite perte de chance, mais là, compliqué, là. Je crois que les 30 derniers, j'ai rien eu. C'est compliqué. Ok, que du 2 étoiles. Que du 2 étoiles, ok. Ensuite. 18 000. On va en avoir, du coup, 9 à ouvrir. Merde. C'est pas grave, on va les ouvrir par là. Allez, on en rajoute encore 2. Le dernier, et hop, les 9. Il y a Hitmonkey qui arrive dans les cristaux, je crois. Ah ouais, il y a Hitmonkey qui arrive dans les cristaux. Stylé. Stylé. Je peux le doubler en 5. En 4, je l'ai pas. Et en 3, je l'ai déjà au max. Enfin, déjà au max en rang, mais je crois pas. Je crois qu'il est arrivé. Hein. D'accord. Ouais, il est arrivé. Il est arrivé depuis une petite semaine. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, ça me permettra pas d'en ouvrir un autre. Mais on s'en rapprochera. De toute façon, il y a le marché d'Iso Noir qui va débarquer bientôt, là. Et le marché d'Iso Noir, du coup, on pourra reprendre un 11K. Hein. Donc le prochain cristal, ça sera aussi un 11K. Donc ça fait plaisir. Black Widow. Derrière, on a... Toc, un petit cristal 3 ici. Une ghost. Ah, on aura peut-être un autre cristal à ouvrir. Parce qu'il y a un cristal ultime. Ok. Eh bah écoute. Petit Doom. Petit Doom en 4 étoiles. Ça se prend. Ça se prend de ouf. Ok. Par contre, du coup, ça va peut-être annihiler nos chances d'avoir ça. C'est bon. C'est bon, ça me va. Ça me va. Bah écoutez, on a... bon, alors, en théorie, il faudra pas que je les ouvre. Parce qu'il y a le marché des zones noires. Mais, c'est pas grave. Allez, 2 cristaux. 2 persos déjà au max. Ok. Sachant que dans le prochain gain de niveau, en plus, je vais avoir Mister Sinister à monter. Dans le prochain gain de niveau. Bon, là, il n'y a pas de gain de niveau. Mais il y aura un truc. Ok, on va ouvrir le 11K. Et après, on ouvrira tout ce qui est T5C. Ok. Allez, c'est parti.
C'est parti, nouveau cristal 15K. Donc qu'est-ce qui nous intéresse? Éveil de Sasquatch, éveil de Profix, éveil du Hitmonkey, Airwalker, Guardian, du coup éveil de Mister Sinister, éveil de Missulk. On a également ouais, Dragon Man, Guardian, Airwalker. Il nous manque aussi Annihilus. Il nous manque Mister Fantastic. Il y a quelques trucs qui peuvent être intéressants. Allez, c'est parti pour ce nouveau éveil de Wolverine aussi. Ça pourrait être cool. Ça, c'est... Oui! Yes! Ça, c'est beau, ça! Yes! Ça va R5. Ça va R5. J'ai plein de kata. J'ai plein de pierres allumettes. J'ai 4 gemmes d'éveil pour lui. J'ai tout ce que vous voulez pour lui. Ça, c'est beau, putain. 153e, je crois. Mister Sinister était le 152, je crois bien. Ah, génial, putain! Ah, le Guardian qui fait kiffer! Ça, c'est beau! Putain! Yes! Yes! On essaiera de faire le gain de niveau. Ah, si le gain de niveau, il pop demain. Ah, s'il pop demain, c'est pas ouf. Mais du coup... Oh là là, génial! Génial! Hyper lourd. Bah écoutez, regardez. C'est simple, hein, c'est tout simple. Parce que je vous rappelle... Alors, je vous rappelle juste un peu mon état de uptech. C'est-à-dire que j'ai 3 R5... J'ai 1, 2, 3, 4, 4 R4. Au final, j'ai pas beaucoup de R4 et R5 en tech. Enfin, c'est pas incroyable non plus. Sauf qu'à côté de ça, bah, tous les autres sont R3, en fait. Tous les autres sont R3, à part Guardian. Du coup, Guardian va prendre une gemme d'éveil. Et il va prendre toutes mes pierres. Et toutes mes pierres, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Et il les prend, bien évidemment, parce que j'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui, clairement. Donc il prend toutes mes pierres, il prend tout ce que vous voulez. Il prend tout ce que vous voulez, il va passer R5. Je sais même plus si j'ai pas des gemmes pour monter R4 tech. On va les regarder un peu niveau gemmes. Parce que ça va être un peu chaud au niveau T2A. Donc je pense qu'il va pas monter R5 tout de suite. Mais il va y monter. Ça va être la priorité du coup. Mister Sinister sera gardé un peu de côté, je pense. Mais je vais essayer de monter Guardian au max de ce que je peux. De toute façon, les T4C c'est bon. Les T1A, ça doit être bon. Les T4B, ça doit être bon. Ce qui va nous manquer, ça va sûrement être les T2A. Oh oui, je peux carrément le monter au max, en fait. Je peux carrément le monter au max, mais je pense... Parce que là, gain de rang... Alors, j'ai des gemmes j'ai des gemmes d'augmentation. Est-ce qu'on ne monterait pas à 200? On va le monter à 200, je pense. De toute façon, je peux pas choper... De toute façon, là, qu'est-ce que je peux choper? De toute façon, c'est pas grave, en vrai. Parce que toutes les pierres, là, que je mets... quoi qu'il arrive, j'en ai presque 200, quoi qu'il arrive. Et Profix, si je l'éveille, bah, je peux lui mettre... ah non, j'ai pas de pierre mutant, mais je pourrais le mettre... Si je l'éveille, je pourrais le mettre à 200, je crois. J'aurais 180 pierres encore, là. J'aurais 180 pierres. Parce que là, du coup... bon, là, du coup, je peux plus mettre ça. Donc là, il est à 200, c'est parfait. Mais du coup, là, en termes de pierres et de composants, on en est à quoi? En termes de pierres. Donc, en termes de gemme d'éveil, j'en ai une de moins. Ça, c'est beau. J'ai toujours ma gemme d'éveil 6. Hein, niveau tech, on est bien. Hein, niveau tech, on est carrément bien. Et donc, niveau gemme. Enfin, niveau pierre, pardon. Niveau pierre, on a 28 x 5. Donc, 28 x 5, ça nous fait 140, je crois. Plus les 15 x 2, ça fait 170. Ouais, on est largement, on peut mettre à 200. On peut largement mettre à 200, sachant que j'ai quelques pierres mutantes ici, mais bon, j'attends de mettre sur Pyramid X, mais on va essayer d'attendre un peu le hub de... Enfin, attendre le... On va essayer d'attendre un petit peu Profix, l'éveil de Profix. Et donc, petit truc, est-ce que j'ai des gemmes de rank up? Ah, j'ai une gemme de rank up R3, R4. Parfait. Bah, ça va faire des K1 en moins. Ça va faire des T2A en moins et des T4... Enfin, un peu de tout en moins. Ça fait plaisir. Je savais bien que j'avais des trucs pour lui. Alors du coup, qu'est-ce qu'il va me falloir? Donc T4B, c'est bon. J'en ai 19. J'en ai même peut-être même dans la réserve. Oh là là, c'est royal. J'en ai 3 dans la réserve. T5B, ça va être bon. Il m'en faut 2. J'en ai 5. C'est parfait. Niveau T1A, je suis largement bon également. C'est niveau T2A. J'en ai 10. Il m'en faut 4. Ah non, il m'en faut juste 6.
Ah bah c'est bon du coup. Ah bah c'était bon quoi qu'il arrive. Mais je vais l'utiliser, hein, la Gemtech. Comme ça fera des katas en moins. Mais c'est parfait. Bah du coup, je peux le monter direct. C'est génial. C'est vraiment génial. Bah écoutez, s'il gagne niveau ne pop pas demain, là, le prochain. Voilà, parce que là, en gros, je tourne l'épisode samedi. Et il faudrait que j'attende lundi soir pour qu'il y ait une nouvelle feature, que je puisse vous rouvrir un cristal. Sauf que, là, il est 14h40. Le prochain événement va popper à midi demain. Et en fait, s'il pop demain et c'est le gain de niveau, bah, je vous le ferai peut-être dans une vidéo à part. Je vous le ferai sûrement dans une vidéo à part et on ira tester. En tout cas, ça fait grave kiffer. Ça fait grave kiffer ce petit Guardian. Il fait grave kiffer. Et donc, on va aller ouvrir les 2-3 petits trucs qui nous restent. Alors, le T5C maintenant. Alors, ce qu'il nous faut, du Science ou du Virtuose, ça nous permettrait de se rapprocher encore plus d'un up. Si on peut avoir du Science ou du Virtuose, ça nous amène à 44 000. Vraiment, ça nous amène tout proche. Et derrière, il nous fera juste du 2%. Vraiment le 2% qui pourra peut-être nous sauver. Allez, c'est parti. Un des deux, s'il vous plaît. Ou du tech, à la limite du tech. Science ou Virtuose. Il y a beaucoup trop de Science ou Virtuose qui parlent. Bon, Mystique, c'est pas négatif, ça se prend toujours du Mystique, même si du coup, comme j'ai monté Doom maintenant, c'est un peu moins ouf, mais ça se prend quoi qu'il arrive. Ce qui vaudrait pas... Oh, au final, je prends tout, hein. Quoi qu'il arrive, je prends tout, mais c'est vrai que Tech, Virtuose ou Science, c'est les meilleurs. Allez, c'est parti. Le deuxième. 30 encore? Putain! 9 000 Mystiques! Putain, ils attendaient que je monte un Mystique, hein! Ils attendaient que je monte un mystique pour me le donner. Bon, en vrai, c'est pas si négatif que ça. On est à 32 000, du coup, ça nous monte bien. Alors, ça ne nous rapproche pas du tout d'un nouveau Upper 3. Mais, ça a le mérite de nous rapprocher peut-être d'un hub de Black Widow clairvoyante ou peut-être de Sorcière Suprême. Donc, pourquoi pas. Maintenant, on va ouvrir ces cristaux 2%, on les ouvre direct. Est-ce qu'on aura du science et du virtuose? On a eu du science. Du coup, on n'est plus qu'à 6%. On est à 6%. On est exactement au même endroit en virtuose et en science. 40 050. Il nous manque 6%. Il nous augmente. Il manque un. Non, il nous manque 11%, pardon. Il nous manque 11%. C'est-à-dire qu'il nous manque un cristal 10% et derrière un peu de 2%. Sachant qu'il nous reste 2% à aller chercher. Et il nous reste du 2% à la fin de saison. Donc la fin de saison peut vraiment nous permettre de gagner un truc. En vrai, si semaine prochaine, fin de semaine de QA, et la fin de semaine de QA va se finir quand? Parce que là, ça commence samedi, donc ça commence ce soir. J2, ça commence dimanche. J3, lundi. J4, mardi. J5, mercredi. Ah oui, mercredi soir, par contre. Donc jeudi soir, se finit le truc. Est-ce que je vous ferai pas l'opening fin de saison jeudi soir avec du coup le cristal de T5, c'est 10%. Tous les petits 2% que j'aurais eu. Plus le 2% que j'aurais eu, enfin les deux 2% que j'aurais eu dans la side quest, et on tente vraiment le up 6R3. On tente le up 6R3, si je chope du science ou du virtuose, dans le 10%, il y a grave moyen qu'on l'ait. En tout cas, voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, en Mystique, on monte encore, en 33 000, il ne nous manque plus que 12 000, donc bah, en gros, il nous manque 30%, quoi, on est à 70%. Ça fait kiffer dans l'optique du Cyber Weekend, on s'en rapproche, et en vrai, il y a grave moyen, si on s'en rapproche encore un peu, si on a peut-être un autre 4 500, ça peut être cool pour s'en rapprocher encore un peu, et donc d'avoir des possibilités de up au Cyber Weekend, sachant que je vous rappelle, le tech, j'ai une gemme d'éveil, et j'ai la possibilité, voilà, si je chope une gosse par exemple, je l'éveillerai, je la mets R3. Et en vrai, là, il nous manque moins de 10 000. Donc il y a grave moyen, pareil qu'au Cyber Weekend, on complète. En vrai, au Cyber Weekend, c'est sûr qu'on aura complété le science, le virtuose, peut-être un mystique, peut-être le mystique et peut-être le tech. Il y a juste le mutant et le cosmique qui sont un peu loin. Mais je pense qu'on aura 4 qui vont être complétés, plus les 2 que j'ai déjà, à savoir cosmique et mutant. Ça fait quand même bien des possibilités de up. En tout cas, merci à vous. On se retrouve très très vite. Très très bon opening, on a eu du T5C de qualité, même si c'était pas exactement ce qu'on voulait pile, c'est quand même de qualité. Deux fois de mystique en 10%, ça fait plaisir, on a quand même, au final on a quand même chopé, ouais, on a chopé 22% de mystique quand même, presque. En fait j'ai chopé presque la moitié de tout ce que j'ai chopé depuis le début, je l'ai chopé aujourd'hui quoi, en mystique, c'est abusé quoi. Enfin bref, et voilà, on aurait quand même eu un petit bout de science, un petit bout de tech, c'est quand même des katas qu'on veut. Voilà, en tout cas merci à vous, bonne soirée, et on se retrouve très très vite, salut!